OK. La Suisse, bah, c'était génial parce que ça m'a permis en tout cas de remettre un pied à l'étrier et de retrouver cette adrénaline derrière les fourneaux. C'était une vraie et belle excitation en tout cas et un avant-goût de ce qui nous attend là, très prochainement j'espère. Fromage normand, ça c'est mon côté chauvin. Ah, team camembert. C'est une prestation dans les châteaux de la Loire pour une princesse saoudienne où je suis parti en hélicoptère leur faire à manger. Je pense que c'est dans Top Chef où j'ai confondu le sel avec le sucre. J'ai un slogan, c'est toujours plus. Qu'est-ce qui me manque le plus? C'est les clients. Alors pas 100% végétal parce que je suis quand même un gros carnivore, donc j'aime beaucoup la viande et j'aime beaucoup aussi le poisson, donc j'aime bien aussi rajouter une protéine animale, mais c'est très facile pour moi de l'enlever puisque ma réflexion à la base c'est le végétal, donc la protéine animale vient juste se greffer ensuite dessus. Mon plat préféré c'est la blanquette de veau, cuisinée par ma grand-mère. Le dimanche midi, c'est poulet rôti. Une table que j'aimerais vraiment découvrir, c'est celle d'Emmanuel Renaud. À la Megève, hein, le flocon de sel. Ah, le choix est dur. Le choix est dur. Mes pianos de cuisine. Et je joue souvent du piano. La musique, c'est un échappatoire et un anti-stress pour moi. En fait, je montre pas mon stress parce que je le compense en faisant le guignol et en racontant des vannes, mais oui, je suis un grand stressé. Plutôt musique. Voix maligne, non? Je vais me mettre au piano, moi. Mon péché mignon, des fraises tagada, bien chimiques. Je déteste ça et quand j'ai créé mon dessert mangue coco chou-fleur, c'était une façon pour moi d'associer ce que je détestais avec ce que j'adore, les fruits exotiques, pour justement réussir à me faire aimer le chou-fleur. C'est d'ailleurs que de très bons souvenirs, mais je pense que la boîte noire avec ma rencontre avec Pierre Gagnère, ça restera une des plus belles rencontres. C'est dur. J'aime beaucoup Mathias. C'est de s'abriter une bouteille de champagne et de faire une grosse fête dans cette belle maison qui est derrière moi. Yeah! Mon signe astrologique? C'est les meilleurs.